Bonsoir et bienvenue à mon talk show de l'autre côté du miroir. Cette semaine, nous recevons Nicolas Deslauriers! C'est-tu le fun d'être riche? C'est-tu le fun? Je sais pas. C'est quoi ton surnom dans la chambre? D-Lo. D-Lo. Non, mais je parle dans la chambre à la maison, là. Ah, pas, mais ça... Fais pas dans la chambre des joueurs, là. Je parle à la maison. Ta blonde, elle n'a pas un petit surnom pour toi, elle ne donne pas... Ça dépend. Souvent, c'est bébé. Bébé. Mais quand Nick sort, ça veut dire je suis dans la merde. Nicolas, c'est... Là, t'es déjà dans le driveway. Là, tu t'en vas dans le char. Oui, je comprends le concept. T'es né dans quel coin, toi? Saint-Anicette. Saint-Anicette. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ça, là, comme moi, c'est dans quel coin, ça, Saint-Anicette? Valleyfield. Oui, OK. Là, ça replace. Prends le pont de la Roque. T'es un gars de la campagne. Yep. Puis est-ce que tu rêvais de jouer pour le Canadien à ce moment-là? Oui. Je pensais jamais que ça allait arriver. Je pense que c'est encore bizarre de voir que tu peux jouer à maison, puis c'est vraiment le fun. Hey! Question à 20 $. T'as-tu 20 $? Pas sur moi. T'es-tu sérieux? T'as pas 20 $ sur toi. C'est qui le plus cheap dans l'équipe? Il y en a une coupe. Changement de sujet. C'est quoi les blessures qui arrivent le plus souvent pendant une bataille? Pas mal les jointures scrappées. Oui. Les joints des pouces. Des quoi? Je sais pas. C'est un joint, ça? Comment t'appelles ça? Le joint du pouce. Non, je sais pas. C'est légal, là, Star. De toute façon, on peut en parler. C'est le joint du pouce. Ça, c'est à cause de ta bagarre que t'as eue. Qu'est-ce que t'as eu comme blessure, exactement? Une fracture au visage. Le visage au complet fracturé. Le visage au complet. Non, face au complet. Côté gauche. Ici, là, là. Ouais. Ça fait-tu encore mal, ça? Non. Ça fait plus mal, ça? Non. Ça? Non. Ça? Non. Ça, ça te tape-tu ses nerfs, ça? Non, j'aime ça. Ça, ça te gosse-tu, ça? Non. Ça, t'es-tu au ras de manger non. une? Et en terminant, c'est-tu plus important d'avoir du talent ou de l'assurance? L'assurance. Je pense que l'assurance en soi, c'est très important. Bien, merci beaucoup. Aïe, aïe. À de l'autre côté du miroir, c'était Nicolas Deslauriers. C'est fini, là.